Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien, de mieux en mieux. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Allons à la rencontre aujourd'hui de quel signe? Un élémentaire, air, eau, feu. Là, je vais fermer mes yeux et je vais choisir ici celui-ci. Allons à la rencontre du signe du cancer, signe d'eau. Cancer, signe d'eau, quel est le message pour toi aujourd'hui? Cancer, signe d'eau. Allons à la rencontre du cancer. Quel message avez-vous besoin d'entendre? Rappelez-vous, si ce message ne vous fait pas écho, là, je vais attendre, là, je vais être bien en contact avec le signe du cancer. Si le message ne vous fait pas écho, laissez-le tout simplement circuler. Bon, cancer, signe d'eau, on revient. Je vous invite, cancer, à me rejoindre. Cancer, signe d'eau, quel est le message pour toi aujourd'hui? Cancer, signe d'eau. Cancer, signe d'eau, quel est le message pour toi aujourd'hui? Aimer, aimer, aimer l'ordre. Une chambre en ordre. Une chambre en ordre. Le ménage est fait dans la chambre. Un lieu d'intimité, la chambre. Un lieu pour dormir, se reposer, aimer. Il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air. C'est une bonne affaire. Continuons. Pour le signe du cancer, il y a de l'amour dans l'air. C'est bon, continuons. C'est bien rangé. Il y a deux paires ici. Deux paires de chaussures ou des pantoufles. Vous les voyez, la chambre est bien rangée, le lit est fait, tout est propre, aimé. On aime ça quand c'est propre, on aime ça quand c'est bien rangé. Bien oui, quand tout est propre. Est-ce qu'on aime ça? Ça sent bon, ça sent le frais. Les planchers sont propres. Les tapis, le couvre-lit, nos draps sont bien lavés, ça sent propre. On dort bien pendant ce temps-là. Nouveau défi excitant pour le signe du cancer. La carte de l'épée. On va la clarifier par la suite. À première vue, elle exprime un nouveau défi excitant à relever. Peut-être qu'on doit couper des liens, peut-être pas, on va voir. On a la volonté, la détermination ici pour réussir. On est volontaire, combattant. Triomphe à l'envers. Est-ce qu'on rencontrerait un blocage? Pour le signe du cancer, signe d'eau. Un mouvement accéléré. Le temps avance vite. L'envol. Il ne reste plus beaucoup de temps. OK, on va voir. Reconnaissance et récompense à l'envers. Ici, c'est la carte de mise en lumière. Elle est à l'envers. Et transformation à l'envers qui me parle de la fin de quelque chose, mais pas tout de suite. On va attendre. Je vais figer quelques cartes pour voir clair pour le signe du cancer. On aime que tout soit en ordre. Avant de partir, on veut que le ménage soit fait. Bon, continuons. C'était le défi à relever. On va y aller avec... Bon, ici, je ressens... Est-ce que j'ai besoin ici de piger une carte? Non. Je vais y aller sur le... Pour le moment, non.
je vais y aller sur le triomphe à l'envers parce que je rencontre un blocage. On va débloquer ça. On aime quand tout est propre, bien rangé. On rencontre un blocage. On nous parle ici de quelque chose qui n'est pas encore mis en lumière. Un élément caché. On va voir. Et ici, on ne peut pas quitter. On ne peut pas quitter encore. C'est la carte de la fin d'une situation. C'est une carte de deuil. C'est une carte de changement, une décision de changer, de passer à un autre état. On ne peut pas encore. Ma carte est à l'envers. Il y a résistance au changement. On n'est pas prêt, tout simplement. On est encore attaché, attaché à quelque chose. On se rappelle qu'on veut que ce soit bien rangé, avec le mot « aimer ». On aime ça quand le ménage est fait, quand c'est propre. Il y a un duo ici. Ben, un duo. En tout cas, c'est un lit. Un lit double, au moins. Un lit queen, king. En tout cas, il y a de la place pour deux, certains. Puis, il y a deux paires ici de chaussures, pantoufles. Il y en a deux. Bon, aimer. Aimer l'amour. Aimer l'amour. Bon, et se reposer aussi, hein, être en paix, aimer l'amour et être en paix. Donc là, en ce moment, on ne semble pas être encore en paix avec la carte du triomphe à l'envers. On rencontre un blocage, on ne peut pas aller de l'avant, quelque chose empêche le mouvement. Un nœud, un blocage, on est, qu'est-ce qu'on veut me dire? On ne peut pas, notre mouvement n'est pas libre. On voudrait bien avancer, mais il y a quelque chose qui bloque. Bâton dans les roues. On va aller voir. Triomphe à l'envers, qu'est-ce qu'on veut me dire pour le signe du cancer? Ici, la carte de la félicité, réaliser un souhait. On veut réaliser un souhait. Ah oui, lequel? On rencontre un blocage, on nous dit que ça s'en vient vite, là. Ça accélère, le temps s'accélère. L'envol, on nous parle de l'envol, rapidité dans le temps. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi avec cette carte? Moi, j'ai l'impression qu'on est guidé de là-haut. À chaque fois que je regarde cette carte, j'ai l'impression qu'une étoile veille sur moi. Je regarde au ciel et j'ai l'impression d'être connectée à quelqu'un. Oh! Là, j'ai l'impression de rencontrer un être cher décédé en haut qui veille sur moi. Je regarde au ciel. Prenez seulement ce qui vous fait sens. Si le message ne vous fait pas écho, laissez-le circuler. On peut aussi demander la guidance. S'il y a un besoin, on appelle. On appelle. Donc, il est question ici de vouloir réaliser un souhait. En ce moment, il y a un blocage. Le mouvement où on a peur d'avancer. On a peur d'avancer. La carte maintenant la carte reconnaissance et récompense. C'est une carte de mise en lumière. On reçoit les honneurs. On a travaillé ensemble ici. On est admiré, apprécié. On est sur la scène ici. En ce moment, la carte est à l'envers. Est-ce qu'on est caché? C'est une carte de reconnaissance. Est-ce qu'on a de la difficulté à se reconnaître? Il y a un élément ici qui est caché, récompense à l'envers. On ne reçoit pas ici cette reconnaissance. Quelque chose empêche la reconnaissance ou la récompense d'arriver. On va voir. Qui est-ce qu'on attend? On attend sûrement ici. On ne peut pas se détacher ici de la carte de la transformation à l'envers. Avec la carte de la transformation à l'envers, c'est un deuil qui perdure. On n'arrive pas à couper un lien. On est attaché. On ne peut pas ouvrir nos ailes. On n'est pas libre encore. On n'est pas libre. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Ou on le sait que ça achève, que c'est terminé, mais on n'arrive pas à couper.
Là, je vais déposer une carte sur reconnaissance et récompense pour le signe du cancer, signe d'eau. Reconnaissance et récompense. Ici, qu'est-ce qu'elle représente, cette carte? On met en l'honneur, on honore. On reçoit une médaille, on est reconnu, apprécié, admiré. Récompensé pour le beau travail qu'on a fait. C'est la récompense, la reconnaissance. Elle est retardée. On ne peut pas quitter. On ne peut pas encore quitter. On ne peut pas encore nous... Voyons. On ne peut pas encore déployer nos ailes. On ne peut pas s'envoler. On est attaché. Peut-être à quelqu'un du passé. On n'arrive pas ici. Reconnaissance et récompense. On va mettre en lumière. C'est comme s'il y avait un élément caché ici. Pour le signe du cancer, signe d'eau. On a besoin d'aide, de soutien, aide psychologique. Ou soutien, c'est à vous de voir à quel niveau. On a besoin d'appui, d'avoir quelqu'un à nos côtés. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On a besoin d'avoir quelqu'un à nos côtés, être soutenu. En ce moment, il y a un manque de reconnaissance. Il y a un élément caché. On va y aller avec la carte de la transformation à l'envers. On va essayer de comprendre. Il y a quelque chose ici qu'on veut accomplir avec la carte du triomphe. On va de l'avant, mais en ce moment, il y a un blocage. On ne peut pas. On veut atteindre la réussite, le succès. On dirait qu'on demande de l'aide du ciel. Est-ce qu'on voit bien les cartes ici? OK, c'est bon. Reconnaissance et récompense à l'envers. Il y a un manque de reconnaissance, peut-être un manque d'estime de soi. Il y a quelque chose qui n'est pas dévoilé encore. On nous parle d'un soutien. On a besoin de soutien. Et la carte de la transformation à l'envers me parle d'un deuil qui perdure, où on sait que c'est terminé, qu'on va devoir passer à autre chose à un moment donné, mais il y a un attachement encore pour le signe du cancer. On aime se reposer ici en haut, aimer se reposer, on aime quand tout est propre. Et en ce moment, on dirait qu'on ne peut pas, quand je regarde ici les cartes en bas, on ne peut pas encore se reposer. On a besoin de soutien ou on offre le soutien. Là, je vais piger une carte pour cette zone-là. Pour le signe du cancer. Un coup de chance, heureux hasard, occasion favorable. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Occasion favorable ou défavorable? Là, on va voir, là. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Pourquoi la carte reconnaissance et récompense est à l'envers? Il y a un élément caché ici. Quel est cet élément caché? Est-ce qu'on ne peut pas se transformer? On est retenu par quelque chose, on ne peut pas déployer nos ailes sont attachées. Cancer, signe d'eau. Déchéance, on se laisse aller avec la carte. On se laisse aller.
Est-ce qu'il y a une personne ici qui est en train de se laisser aller, qui manque d'estime d'elle-même? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle des vices sous toutes ses formes, les excès de toutes ses formes. Il y a négligence, il y a un manque d'entretien avec la carte de la déchéance. Il y a quelque chose qu'on laisse aller. On se laisse aller. On ne prend pas soin de sa personne. Il y a quelque chose ici. On n'ose pas se révéler. On reste caché, isolé. On aurait besoin d'aide ici. La déchéance me dit ici que ça va s'effondrer. Il y a quelque chose qui risque de tomber. On nous parle d'excès de toutes sortes. Il y a une négligence de soi. On ne se respecte pas ici. C'est ce qu'on est en train de me dire. On ne se respecte pas avec la carte reconnaissance et récompense à l'envers et celle-ci. On est une personne ici qui devrait être mise en valeur, reconnue, respectée. En ce moment, ma carte est à l'envers. Cette carte nous dit, est-ce que toi tu te respectes? Est-ce que toi tu t'honores? En ce moment, avec la carte de la déchéance, moi je vois une personne qui se manque d'estime, qui manque d'estime d'elle-même, qui ne se reconnaît pas à sa juste valeur, qui reste dans l'ombre, cachée. On ne veut pas être mise en lumière. On aurait besoin ici d'un soutien, qu'on nous dit. Il y a une personne ici qui est en train de s'auto-détruire. Donc, il y a un manque de respect de soi. On se laisse aller, négligence. On ne prend pas soin de soi. Sa santé commence à y passer aussi. On se laisse aller, peut-être problème de santé. C'est la carte qui me parle ici qu'on se laisse aller à tous nos vices. Il y a comme un abandon de soi ici. Un abandon de soi. OK. On va regarder avec la carte transformation à l'envers. Qu'est-ce qu'on dit ici? On n'arrive pas à se transformer, à se respecter. On n'arrive pas à passer à l'autre étape, à mettre fin à une situation ou peut-être à une relation. On n'arrive pas à quitter. On est pris ici dans la carte de la déchéance. On est coincé ici. On est bloqué. On ne peut pas réaliser notre rêve. L'épée est peut-être là pour quelque chose ici. On a peut-être un lien à couper. Une situation ici à couper. Oui, ça peut occasionner des luttes, mais c'est pour le respect de soi ici. Parce qu'ici, on s'abandonne. On nous parle d'une occasion ici. Occasion de chance à saisir. Est-ce qu'on nous parle ici d'une rencontre, amour réciproque? Il y a deux paires de chaussures, là, ici. Aimer, s'aimer, connaître c'est quoi aimer, connaître c'est quoi être aimé. Parce qu'en ce moment, peut-être que l'amour n'est pas de tout repos. En tout cas, ici, moi, je pense que la relation, il y a un manque d'entretien dans la relation. Il y a une négligence ici. On n'entretient pas. La relation est vouée à... Il y a un manque d'entretien. Il y a un manque de respect en cette relation. L'amour n'est pas réciproque. Et on n'arrive pas à tourner la page. C'est ce qu'on me dit ici. On demeure dans un lien qui est malsain pour soi. C'est un lien qui ne nous met pas en valeur. On ne se sent pas valorisé en ce lien. On reste caché, on dirait qu'on a honte de soi. Vraiment, c'est ce que je perçois. Et on n'arrive pas à quitter ce lien. Même si c'est toxique, même si on ne se sent pas respecté, aimé, même si on le sait que l'amour n'est pas réciproque, même si on le sait que c'est fini, on n'arrive pas à se détacher, on est pris. Ici, on nous parle d'un état de dépendance, une difficulté à prendre de l'autonomie avec la carte du triomphe à l'envers. C'est une carte d'autonomie. Quand elle roule bien, la carte, là, on est en mouvement, on est autonome. En ce moment, ma carte me dit qu'on est sous l'état d'une dépendance. On n'arrive pas à avancer, on est bloqué. On veut aller vers notre réussite, mais quelque chose nous bloque. On ne peut pas. C'est comme si on avait de la difficulté à se reconnaître à notre juste valeur. On reste dans des anciens patterns. On se nuit ici, on se nuit.
Je vais piger une carte pour la transformation à l'envers. On n'arrive pas à se libérer. On n'arrive pas à se libérer. Triomphe à l'envers, pas triomphe à l'envers. Je vais peut-être y revenir tantôt. Ah oui, je suis attirée vers la transformation à l'envers. Pour le signe du cancer. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Pour le signe du cancer, signe d'eau, transformation à l'envers. On me parle de... On reste attaché, on a peur de la rupture. Mais la rupture est présente. Un éloignement, un effondrement. On se laisse aller. On se laisse aller ici. Il y a un manque d'entretien de la relation. Amour non réciproque. Amour non réciproque? Mais on dirait qu'on ne veut pas l'accepter. On ne veut pas accepter cette réalité-là. On ne veut pas passer à autre chose. On ne veut pas changer. On a peur. On a peur de vivre la rupture. Et pourtant, la relation, si ça continue de même, oui, c'est la carte de la rupture qui est là. Ça va s'effondrer. Ça ne peut pas faire autrement. Soit que je vais continuer de m'enterrer parce que je ne prends pas soin de moi, je me néglige, j'ai des problèmes de santé. Risque ici. Et on demeure là-dedans. Qu'est-ce qu'on attend, ma foi? Ben, on a peur. Finalement, c'est parce qu'on a peur. On a peur de la rupture. On a peur ici des dommages. Je vais y aller avec la carte du triomphe à l'envers. On n'arrive pas ici à se faire à l'idée. On n'arrive pas à quitter. On reste attaché. Attachement. Dépendance, codépendance, étant donné ici qu'on me dit que je peux pas aller vers mon succès, je peux pas réaliser mon souhait. J'ai besoin d'aide pour me reconnaître, pour apprendre à m'aimer, me reconnaître à ma juste valeur. J'ai besoin d'aide. Et là, en me laissant aller, bien là, oui, on dirait que le mouvement s'en va vers l'effondrement du lien. Il y a un manque d'entretien du lien avec soi-même en premier. Avec soi-même. On se manque de respect. Triomphe à l'envers. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Pour le signe du cancer. Message. On envoie un message. On a besoin d'aide. La bouteille à la mer. On aurait besoin d'un message. Oui, peut-être qu'on a besoin d'un message. Peut-être qu'on attend un message. On a besoin d'aide ici. Moi, je rencontre une personne qui a besoin de soutien. On attend ou on envoie un message. Je vais regarder succès triomphal maintenant. Ce qu'on veut, c'est quoi? L'amour réciproque. On veut se reposer, aimer. On aime quand c'est propre, quand on est bien avec soi-même, en accord à l'intérieur et à l'extérieur. Succès triomphal, qu'est-ce qu'on me dit ici? Pour le signe du cancer. On a le goût de l'amour. Bien là, ici, on est encouragé à commencer à se respecter parce qu'on me dit que tu es en train de te négliger. Un manque d'estime de soi ici, c'est de valeur. Allons-y avec le succès triomphal. On a besoin d'aide, en fait, ici, pour apprendre à s'aimer, se reconnaître à notre juste valeur. On a besoin de soutien. Allons-y avec le succès triomphal. Le début d'un nouveau défi à relever. Excitant. On nous parle de quoi? Circulation de l'énergie. Le début. Le médical. On a besoin ici de rendez-vous au médecin. On a besoin d'aide. D'un spécialiste. Moi, je vois le côté médical ici. On a besoin d'aide. Pour notre santé. Santé globale. Là, je vais piger une carte pour m'orienter ici vers aimer et la belle chambre. Tout est propre, tout est à l'ordre.
pour le signe du cancer, signe d'eau. Entente, négociation, contrat, engagement. S'engager, s'engager. S'engager envers qui, envers quoi. S'engager, contrat de mariage, aimer. Contrat. Qu'est-ce qu'on fait avec... c'est un engagement ici. Un engagement. Engagement envers soi. Parce qu'ici, en ce moment, quand je regarde en haut, oui, on peut bien me parler d'engagement, de contrat de mariage, d'entente. Discuter ensemble. Peut-être qu'on a besoin de discuter ensemble pour trouver un terrain d'entente. Parce que là, je me questionne au niveau de l'amour réciproque. Étant donné ici qu'on se laisse aller, qu'on a de la difficulté à se reconnaître, à sa juste valeur, on se laisse aller, négligence, problème de santé, on se laisse aller à tous nos vices, on s'abandonne ici, risque d'effondrement parce que le lien est mal entretenu, on ne l'entretient pas, on laisse aller, négligence. Et on a peur ici de changer, on est comme pris ici, on a peur du bouleversement, de la séparation, donc on le sait que c'est terminé, il y a un lien qu'on sait que c'est terminé, mais on n'ose pas tourner la page, on n'ose pas passer à autre chose. On a peur ici. De la fin, on a peur. Bien là, je pense ici que c'est le temps de discuter ensemble concernant l'amour. Comment se porte notre amour? Rendez-vous au médecin, besoin d'aide, aide psychologique aussi, aide globale. Lumière. On a besoin de mettre de la lumière sur une situation. On a besoin de voir clair. On a besoin de savoir. On a besoin d'avoir des réponses à nos questions. On les cherche. On a besoin de ces réponses-là pour se reposer. Et ça concerne l'amour. Je vais piger une carte. Oh, en dessous du paquet, le diable qui revient. Que nous dit le diable? Vous vous en rappelez? On l'a rencontré souvent cette semaine. On dirait qu'on est sous l'emprise ici. L'emprise. On me parle de quoi? De manipulation, de mensonge, de ruse. On est sous l'emprise ici. C'est pour ça qu'on n'arrive pas. On est bloqué. On m'a parlé du fait d'être bloqué. On ne peut pas avancer. On est sous l'emprise d'une dépendance, codépendance. Et la carte est nuisible. On peut être dépendant aussi ici de... toute forme de... On peut être dépendant à l'alcool, drogue, sexe, dépendance affective, codépendance. C'est quelque chose qui nous fait souffrir, en tout cas. On est pris avec le diable. On est sous l'emprise. Et on rencontre, comme je vous le dis, la manipulation, le mensonge, les ruses. Il y a quelque chose de pervers, de toxique avec la carte du diable. C'est pour ça ici qu'on n'arrive pas à se reconnaître. On dirait qu'on est sous l'emprise. On peut nous retenir dans la confusion, nous manipuler. On n'arrive pas à voir clair. À voir clair, c'est pour ça qu'on cherche des réponses. Mais on dirait qu'on tourne et finalement, on se laisse aller. Puis c'est ça. Le diable est présent en arrière-plan. On souffre ici. En ce jeu, on est appelé à faire un changement, mais on a peur. On a peur et le diable nous maintient dans la peur aussi. Donc, voilà, ici, je vais piger une carte. C'est pour ça qu'on a de la difficulté. On est probablement pris dans une forme de dépendance. Dépendance affective, dépendance. Et on a de la difficulté à se respecter, à se reconnaître. On se laisse aller plutôt. Et problème de santé. Il est temps de prendre un rendez-vous. Première étape. Médecin, aide aussi, psychologique peut-être, on a besoin. On souffre. On est sous l'emprise de quelque chose de toxique, de malsain pour soi. Allons-y avec une carte. Ouh, beaucoup de cartes. On va les regarder ensemble. De l'oracle de l'âme intuitive, on va regarder ensemble les mots-clés. Liberté, liberté de l'âme, être soi-même. Abandonner les liens du passé et se libérer. Est-ce qu'on est soi-même? Première question. Est-ce qu'on se sent libre d'être qui on est? On peut se le demander ici. Est-ce qu'on se sent libre?
On nous parle de couper des liens, peut-être, couper avec ce qui est toxique, ce qui est malsain, ce qui nous détruit, ce qui nous sabote. Se respecter, on est invité à ça. Chaleur, montée à bord, vacances, on a besoin de repos, effectivement. Les enfants, amour universel, pureté, prendre soin, innocence. On a besoin de prendre soin de soi, de son enfant intérieur. On a besoin de s'accorder ses soins. S'aimer. On a besoin de commencer par s'aimer. Et la carte de la demeure nous parle de quoi? Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, le temps de se détendre. On veut se détendre. On a besoin de se sentir en sécurité, mais avec la présence du diable ici, je ne suis pas certaine qu'on se sente en sécurité, honnêtement. Et on se laisse aller, la santé, négligence, un manque de respect de soi. Ici, on nous dit quoi? Froideur, fête, célébration, fin. On le sait que c'est froid entre nous. On le sait que c'est terminé. On le sait qu'il y a quelque chose qui cloche. On a besoin de chaleur. On a besoin d'aimer, d'être aimé. Amour réciproque. Ici, je ne suis pas certaine que l'amour est réciproque. Mais c'est ce qu'on veut pourtant, hein? Mais on a besoin de mettre quelque chose en lumière. On a besoin de savoir ce qui se passe réellement. Et on cherche des réponses, mais on reste accroché dans un état de dépendance ou d'espoir, parce que le diable peut nous raconter toutes sortes d'histoires, hein, de mensonges pour nous maintenir sous son emprise. On ne voit pas clair, on cherche des réponses. C'est ça qui fait aussi qu'on demeure dans un lien. C'est difficile de couper parce qu'on est sous l'emprise. Ça peut être une personne ici qui a des comportements pervers, très centrée sur elle-même. C'est à vous de voir qu'est-ce que ça vous dit. Jalousie, possessivité, c'est vous qui voyez, manipulation, si vous êtes sous l'emprise ou pas, mais je sais que le souhait ici, c'est d'être aimé, aimé et d'être aimé, c'est le souhait ici. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu pour vous, signe du cancer, signe d'eau. Bien, je vous souhaite une... Bon courage, surtout. Prenez soin de vous. À la prochaine.